Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter l'Amazon Panthera 4504 de l'ETA Amont à Guerre. Donc on a choisi de vous présenter cette machine là parce qu'elle a un équipement assez spécial qui n'est pas très démocratisé en fait dans nos campagnes aujourd'hui. Il est équipé du pack Carbon B, donc c'est un système de caméra. Donc on va pouvoir le voir juste ici. Donc ce sont des caméras qui vont détecter les adventices et donc qui vont pouvoir sélectionner et couper et rallumer leurs buses électriquement. Donc il est utilisé surtout pour les cultures de printemps et les cultures en rang, donc le maïs, le tournesol et surtout les betteraves. Donc c'est un gros intérêt économique, mais c'est une option qui coûte un certain prix certes, mais au fur et à mesure des années on y arrivera. Donc c'est une rampe équipée 36 mètres avec 12 caméras, donc une caméra tous les 3 mètres. Donc sur ce système là, le choix des buses n'est pas forcément très important parce qu'en fait il vous suffit juste d'avoir l'option de couper buse par buse. Donc ça fonctionne par impulsion électrique sur ce pulvérisateur là. Donc dès que les caméras vont détecter l'adventice, l'information va remonter au boîtier puis après aux buses. Et donc c'est là que l'action de la coupure ou de l'allumage va se faire. Donc ce système-là il est surtout utilisé pour lutter contre les chardons, les rumex, les chénopodes, ce genre d'adventices. Donc bien sûr, il faut qu'elles soient à un stade qui ne soit pas trop avancé, pas trop petit non plus, parce que voilà, ce système-là a ses limites. Mais ça reste quand même très, très avantageux. Donc, nous voilà en cabine. Donc toutes les données qui sont prises par les buses est retranscrites sur ce boîtier, donc le boîtier Smart Striker.